Merci. Il y a du soleil ici, c'est pas beau ça. Incroyable. Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve évidemment encore une fois dans un nouveau vlog à Saint-Laurent-des-Gouzes. On vient d'arriver du coup. Voilà, il y a du soleil, il fait beau. Donc c'est trop cool. Hier on a fait une petite journée à 7. Malheureusement, il n'y a pas assez de contenu pour vous sortir un vlog, mais je vais peut-être vous mettre 2-3 extraits voilà, là maintenant, pour vous partager les choses intéressantes qui se sont passées pendant la journée. Et c'est avec ce magnifique lever de soleil qu'on prend la route direction 7. Bon, donc là, en vrai, on a à peu près une heure de route, donc ça va vraiment pas être très intéressant. Donc, je pense que je vous reprendrai une fois là-bas sur place. Logiquement, ça a commencé à tourner à la paillote depuis pas longtemps. Donc, je pense qu'en arrivant, on va aller faire un petit tour. On a un rendez-vous en fin de journée. C'est les deux trucs qu'on a déjà prévus. Après, ça va être un peu à la one again comme d'habitude. Vous connaissez les vlogs à 7. Bon les gars, on vient d'arriver à la plage et je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est vachement mort, mais il y a quand même quelques petits trucs de tournage. Donc voilà, on va aller voir ce que ça donne. Je vais au moins vous montrer une fois, si on peut, le décor de la paillote correctement, parce qu'en vrai, j'enjambe les trucs là. Vous l'avez déjà vu dans certains vlogs, dans plusieurs vlogs. Un, deux vlogs, je sais plus. Mais jamais vraiment correctement. Donc je vais essayer de vous montrer ça et puis on y va, c'est juste derrière là. Bon, donc du coup, quand on arrive à la paillote, donc là, il y a le truc qui est un peu en mode pour les figurants, HMC, etc. Et vous montez ici sur la plage, donc la paillote est juste ici. Je vais vous emmener voir. Ran away with my life fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time. Bon, donc du coup, quand il y a des tournages ici, là, vous voyez, là, il y a encore tous les trucs avec les transats, avec la mer. On a 7 qui est juste derrière, ici. Donc là, c'est entre 7 qui est ici et Marseillan qui est juste là-bas. Donc voilà. Bon, là, ils sont en train de tout préparer, du coup, pour les futurs tournages, je pense, ici. Bon, du coup, comme vous l'avez vu, j'ai fait un petit tour à la paillote, mais du coup, ils sont surtout en train d'installer, puisque les tournages n'ont pas encore commencé, je pense. Et du coup, il y a des équipes de nettoyage qui sont là pour tout remettre en ordre et pour tout enlever, tout ce qui est le sable, poncer tout le bois, etc. avant de reprendre les tournages. Donc, on les a pas dérangés. C'est pour ça qu'on n'est pas allé plus près dans la paillote. On vous emmènera dès qu'on pourra. Mais du coup, voilà, là, c'est un peu... voilà, juste respecter le travail des gens qui travaillent dessus là. Mais voilà, donc là, on va aller en ville, je pense. On va aller faire un petit tour. Et puis, je continue de vous emmener avec moi. Il y a des moustiques partout. Bon, alors, update, on a passé la matinée à la maison des Delcourt. Clairement, je recommande pas des masses, puisque, alors déjà, forcément, on ne voit rien, puisque c'est dans une zone, et puis c'est des grands bâtiments, et puis du coup, la maison est à l'arrière, comme je vous ai déjà montré dans plein de vlogs. On a juste vu Ingrid Chauvin, du coup, et Alice Varela, qui joue, du coup, Chloé et Judith, passer au loin. Donc, on a clairement passé notre matinée, et on a perdu surtout notre matinée pour rien. Donc un peu deg, j'avoue. Donc là, on va aller au centre-ville, au moins profiter de la ville de 7 du coup, parce que là, comme dit ce matin, un peu les boules, mais voilà, on croise les doigts, puis la journée va bien se passer, je pense. Coucou à tous, voilà, juste pour vous dire que vous allez retrouver une petite interview très sympathique sur la chaîne YouTube de Yann. Elle est sympathique parce qu'il y a plein de nouveautés que je dis, que j'ai jamais dit à quelque chose d'autre qu'à lui. Voilà. Donc soyez là, bisous. Là, on arrive tout doucement au centre-ville de Saint-Laurent-des-Gouzes. Je vais aussi vous montrer aujourd'hui des maisons que je ne vous ai pas montrées les autres fois. Donc là, on va déjà aller à la maison des Tessiers. Ça se passe rue de la Fraternité. Donc comme le tout premier vlog qu'on a fait ici, donc je vais vous montrer au bout, il y a la maison de Louis, là, des Guinaud juste ici. Et puis en face, il y a la maison des Tessiers. Bon, alors du coup, comme je vous l'ai montré dans le vlog il y a
presque 2 ans bientôt, la maison des Guinaux juste ici. Et du coup, la maison des Tessiers est juste là. Bon, pour l'instant, c'est un portail, vous voyez pas grand-chose, de toute façon, parce que c'est derrière. Mais là, vous voyez, il y a un petit camion, donc aujourd'hui, il y a tournage ici. Donc voilà, au moins, je vous ai déjà montré un petit peu. Voilà, c'est vrai qu'on voit pas grand-chose, parce que évidemment, c'est juste un portail et que la maison, comme d'habitude, est derrière. Mais voilà, donc là, on va aller vers le château. Parce que là, ils sont en train de tourner, et puis de toute façon, il n'y a pas de tournage extérieur. Donc on va pas s'amuser à attendre devant une porte. Mais voilà, on va aller devant le château, voir s'il y a un petit peu de monde. C'est pas encore les vacances scolaires en ce moment ici. En tout cas, donc franchement, hier à 7, il n'y avait pas énormément de monde, donc je sais pas trop comment ça va être ici aujourd'hui. J'ai vu qu'il y avait tournage dans le parc ce matin, il me semble, avec Thomas, Nico, Claire. Je sais aussi que Axel est là, etc. Donc on va voir comment va se passer la journée. J'ai hâte, je vous emmène avec moi comme d'habitude. Bon, du coup, nous sommes bien arrivés devant le château. Et du coup, cet après-midi, il devrait y avoir un petit tournage en extérieur. Donc j'espère que je pourrai vous partager un max de ça. Après, si c'est juste la porte ouverte, je ferai comme au mois de novembre de il y a 2 ans, là, 2021. J'essaierai quand même de vous partager un maximum les scènes que je peux vous partager. Mais voilà, ça va être une journée plutôt cool. Et puis, regardez-moi ce beau château. Ça change pas. Il y a un petit peu de monde devant. Mais franchement, par rapport à d'habitude, ça va. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. À midi, on a testé un nouveau petit restaurant et c'était vraiment bon. Et merci infiniment à tous ceux qui continuent à venir me voir pour me faire leur retour sur les vidéos. Ça me fait toujours trop plaisir de vous croiser. Plusieurs fois dans la journée, on a aussi croisé Nelson Montfort qui a accompagné sa fille Victoria qui avait commencé à tourner. You
comme vous l'avez vu là, il y a eu un tournage en extérieur. Donc là, à midi, on a mangé juste ici au Griffon, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc c'est le restaurant qui est juste ici, à côté du château. Ils ont déjà tourné plusieurs scènes ici sur la terrasse, notamment avec Hortense et les scènes de dating avec Greg, etc. Et franchement, agréablement surpris parce que c'était vachement bon. Les autres fois, on n'y était pas mangé parce que la carte nous plaisait pas et le menu du jour non plus. Sauf que du coup là, on va dire que le menu du jour d'aujourd'hui nous plaisait un peu plus. Donc on allait faire un petit tour et franchement, on a plutôt bien aimé. Donc je recommande si jamais il y a des trucs que vous aimez, genre le taureau et tout. C'est pas des trucs que je mange forcément, mais voilà, le bon petit tips, ça nous a changé une fois du glacier. J'ai fait concurrence et infidélité à mon burger. Et voilà, c'est comme ça que se termine notre journée à Saint-Laurent-des-Gouzes. On est rentré parce qu'on avait encore 2 heures de route. J'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la musique, le petit pouce en l'air, l'abonnement. Et on se retrouve très vite sur YouTube ou sur Instagram. À bientôt.